Quand vous finissez là-dessus sur des discussions tout à l'heure, savoir la longueur des débats, etc. Mais il nous a bien un point qui nous centre. C'est, me semble-t-il, la nécessité d'échange entre notre institution et la collectivité concernée. Il y a là insuffisamment, qui me dit que souvent en séance, les collègues sont amenés à être déposés dans la région pour avoir des éclairages. Ça pourrait se faire d'une autre manière, ça s'est fait à un moment ou à un autre dans les commissions. Parce que nous qui ayons à apprécier, à donner un avis sur ce que fait la région, nous en soyons le mieux informé possible. Comment le faire? Sinon, par une bonne communication au niveau, pas seulement des administratifs, mais des élus également. Ça, ça me paraît important. Ça nous ferait gagner du temps, et gagner du temps, ça nous ferait gagner de l'efficacité. Cela dit, je voudrais faire trois ou quatre petites observations. Deux, mais j'ai une réplique, je vais vous dire. Deux, d'ordre général. Une particulière et la troisième, je vais vous plaisir. Je crois que, et vous l'avez dit au plus long, et ça se voit dans chacun des avis ici, les impacts des orientations budgétaires pour 2016, nous le disons tous ceci tout dans le droit fil des orientations budgétaires de 2015. C'est l'évidence. Sauf qu'une chose, là, il est évident. Ça n'apparaît pas aussi clairement. Il y a un peu là une espèce de flou sur le projet de mandature. C'est-à-dire, on a cru voir, non, à mon sens, l'absence de projet de mandature pèse sur l'analyse même des orientations budgétaires s'agissant surtout de la première année d'exercice. C'est pas pour embêter la région qui sort, en fait, c'est simplement parce que cet éclairage est nécessaire. Et deuxièmement, parce que, et ça m'amène à la deuxième observation, j'y vais tout de suite, que je crois que c'est la proche. On a 3-4, hein, il est parlé des engagements approuvés par les délais. Et ça, c'est l'élection, ça. C'est comme les engagements de campagne de certains qui disaient le changement de vie, là. Ils sont pas, non, je ne vais pas en faire. Je ne peux pas faire. Donc il faudrait nous imprégner nous-mêmes pour pouvoir analyser, parce qu'on en a pour 5 ans, hein, tellement on met du temps. C'est important parce que la deuxième remarque tient quand même, et c'est mentionné par toutes les commissions, l'attitude de l'État relève première. Et on arrive aujourd'hui, à mon sens, à une situation qui risque d'être de rupture. C'est que l'État transfère des compétences. Mais ne transfère pas, il ne transfère pas les moyens comme ils sont pendant pour acheter, Et c'est un marché de but. Et c'est plus un transfert de charges qu'un transfert de compétences. Et c'est gênant. Bon, c'est pas un peu plaisir à la région, mais je veux dire, ça se fait pas. Et c'est vrai que ça remonte à pas mal de temps. Ce type, je prends l'exemple d'une araignée du RSA, on en a parlé il y a longtemps, nous-mêmes l'organisation syndicale, on a dénoncé la charge imposée au département. Et, bon, le département était un peu timoré au milieu parce qu'il n'est pas en question majorité. On était à 150, 200 millions. Maintenant, elle est moins timorée pour deux raisons. D'abord, c'est qu'il y a la même majorité, on va appeler un tcha-tcha. Et le diamant, c'est qu'on a dépassé le demi-milliard. On a dépassé le demi-milliard, on approche le milliard, ou 3-4 milliards, si on ne totalise rien pour le département. Et là, ça crée une situation qui n'est plus gérable. Et ça, c'est. Alors je pense qu'il nous faut, parce que sinon, par la force des choses,
on arrivera un petit peu sur le mur. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire un carré, on lui demande seulement la marmite, mais elle ne peut absolument pas les habitudes, c'est ça. Et bien ça, ça crée, je veux dire, ça risque de créer une situation de rupture. Et ça n'est pas forcément bon sur ce plan. La première chose que je voulais dire, je fais le cours, hein, c'est dans la vie de la commission 5C, maintenant c'est une femme et en fait une femme et une quand on a pris toutes les initiatives dans ce sens, même si il faut reconnaître que l'efficacité ne suit pas forcément les forfaits ici et là. Mais il est un problème, me semble-t-il, et là c'est un petit peu mon point de vue personnel, hein, on en a causé en commission mais ça n'a pas fait d'évidération. Nous ne traiterons pas ce problème si nous n'abordons pas le problème global de la violence à l'arrière. Et c'est une préoccupation, on ne peut pas, chaque jour que Dieu donne, il y a deux pages dans les journaux, on va dire, on commence à m'en voir parce que j'ai dit Dieu donne, mais je vais expliquer. Tous les jours, il y en a. Depuis le petit moment jusqu'au vieux monde, la poule ne passe pas mal, à la fois comme acteur ou comme il dit, je crois que ça, parce que tout à coup, la poule jaune, là. C'est Valentin, il est sorti de l'appartement de Saint-Denisiné. C'est René Ranquet, comme violeur et civiliste. Il conduit de mourir. On peut pas dire que vous avez toujours une fois. Donc pourquoi faire semblant que ça n'existe pas? C'est cet ensemble qui pèse fort et il nous fera beaucoup plus loin dans la vie. Et c'est pas ça, si je ne sais pas. Quand je dis ça, ce n'est pas forcément ça, mais on a besoin parfois, souvent même, quand on a besoin de continuer et qu'on veut doubler quelque chose, de regarder dans le rétroviseur pour mieux voir dedans. Pas pour dormir dedans, mais pour je pense que ça, c'est ça. La quatrième chose, c'est un petit plaisir. Et ça peut prévoir quand même pour l'ensemble. Je voulais remercier le président du Conseil économique et social de nous avoir transmis le bulletin numéro 12 de l'AXNIXA réunion sur le réchauffement économique qui se confirme. Et je voulais remercier doublement notre collègue Lada qui a ajouté un petit mot et qui s'est passé avec tout le monde. À force de chauffer, ça va finir par sortir ici. Je crois que ça correspond bien à la situation dans laquelle on est. Alors je voudrais ajouter pour présenter là, heureusement qu'il y a d'autres réchauffements par ailleurs qui risquent d'apporter un côté des autres, ça payera la chaleur, ça ne fera pas beaucoup de pas. Voilà. Excusez-moi de terminer, Joseph. Mais voilà pour les observations. Merci, Jean-Marie Christian. Et merci, M. le Président. Juste un point sur la politique des jeunes. Ah oui, nous sommes la partie pour un conseil. Avec la politique menée par la réduction de la décrochage scolaire, la lutte contre l'illettrisme, l'école de la deuxième chance. L'école de la deuxième chance, c'est les jeunes adultes, hein, 18 ans, 26 ans, sur la veille de pouvoir une lutte vraiment efficace, donner les moyens dès le primaire, dès le premier degré, pour éviter de, j'ai dit après, d'aspirer des sous, mais de se retrouver dans cette situation-là. Donc les moyens, c'est bien, mais en prévention, de mettre vraiment le maximum, toujours en partenariat d'ailleurs, et c'est aussi préconisé dans ce rapport, vraiment travailler au partenariat avec le rectorat, que je savais, le secrétaire général, le directeur parti, c'est plus de son domaine. Ensuite, sur les cases à lire, comment voulez-vous que les animateurs diplômés soient pris comme modèle